Alors les spécialistes insistent sur les conseils habituels, bien s'hydrater, se protéger de la chaleur en évitant de sortir aux heures les plus chaudes. Et pour arriver à dormir la nuit, voici quelques astuces. Romain Zlatanovic. Les Bermudas sont de retour, l'été est enfin arrivé. Mais qui dit chaleur dit pour certains insomnie. Heureusement, chacun a son astuce pour mieux dormir. Ouvrir la fenêtre. Peut-être se contenter d'un petit drap ou quelque chose comme ça. Je dors avec juste un petit t-shirt. Bien fermer toute la journée les volets pour éviter que la chaleur ne rentre. Direction les pharmacies où les conseils restent à peu près les mêmes. Garder un appartement le plus frais possible, donc fermer les rideaux et éviter l'introduction de chaleur pendant la journée aux heures les plus chaudes et essayer de prendre une douche assez fraîche le soir. Après, c'est des choses vraiment évidentes qui permettent de mieux dormir le soir. Il existe aussi des alternatives aux somnifères comme les tisanes ou l'homéopathie, mais d'autres optent pour des solutions plus innovantes comme ce surmatelas. Climatisé. C'est très simple, c'est un surmatelas qui va se glisser sous les draps, donc au travers duquel va circuler de l'eau. Et cette eau, en fait, elle est à l'intérieur du thermocontrôleur et vous pouvez régler en fait votre thermocontrôleur entre 18 et 48 degrés. Comptez tout de même 349 euros. En option l'oreiller rafraîchissant, de quoi garantir un sommeil de rêve, peu importe la température.